Rudy, quelle ambiance, quelle euphorie. On vous demande tout simplement d'écrire l'histoire, va falloir le faire. Oui, je suis pas sorti encore, mais on les entend d'ici, donc si c'est comme contre Leipzig, ça va être quelque chose. À nous de faire le match qu'il faut, mais ne pas oublier aussi que ça joue en deux manches. Voilà, l'objectif, c'est déjà de gagner ce soir. Si on peut ne pas prendre de but, c'est mieux. Avec la composition de cet Olympique de Marseille que vous voyez apparaître, Johan Pelé, évidemment le gardien en l'absence de Steve Mandanda, avec une composition avec quatre défenseurs, puisque c'est Luis Gustavo qui va être en défense, oui, ce soir aux côtés d'Adil Rami. Et cette équipe de Salzbourg qui va évoluer en 4-4-2 ce soir, avec notamment deux hommes qu'il va falloir particulièrement surveiller. Il s'agit de l'Israélien, l'attaquant Mounas Dabour, le seul homme qui avait réussi à marquer un but face à Marseille lors des deux matchs dans la confrontation en phase de groupe où les deux équipes s'étaient affrontées. Et ce sont les joueurs de Salzbourg qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. Les applaudissements de la foule, non, pas vraiment. Et par cet homme-là, Dimitri Payet, bien fait ça en une touche. Avec la frappe. Oh, elle était détournée. Position de hors-jeu, position de hors-jeu. Je voudrais revoir tout ça. Je suis pas certain sur le direct. Position de hors-jeu de Kostas Mitroglou. Si, il l'était. Très vraiment. Et là, la tentative d'aller très très vite vers l'avant. Ouais. C'est Massekou qui joue. Devant les quatre défenseurs en sentinelle, il ne va pas bouger de ce poste-là. Ça fait déjà 5 joueurs en récupération du ballon pour Salzbourg. Qui donne ce ballon là-bas. Il est passé, Bounassar. Allez, Bounassar, le centre en première intention. Le geste acrobatique de Dimitri Payet. Quelle est belle cette petite talonnade en extension. Il n'a pas pu suffisamment redresser sa frappe. Allez, faut mettre un petit peu de folie là, faut mettre un petit peu de 34 ans, il en faut quand même. Ouais, faute encore, énormément de coups francs hein, dans ce premier quart d'heure joué. Un quart d'heure de jeu peut-être pour ouvrir la marque. C'est parti, c'est pied droit, deuxième poteau, la tête et le but. Et le but, l'ouverture du score de Florian Thomas, le petit prince. Tentative de Dimitri Payet, il lui a mis un caviar, hein. Jacques-Henri à côté de Franck-Marc Coutereux, il lui a mis un très très bon ballon, et derrière Florian Thauvin qui est au deuxième poteau, je pense qu'il a mis la tête, je ne suis pas certain, qui a très bien frappé, qui passe à travers, et grosse erreur hein, du gardien de but, qui passe complètement à travers. Hein. Qui va se déchirer, Florian Thauvin qui va arriver. Non, c'est chaud, ça y est, c'est parti. Bounassar peut-être, le centre, la frappe de Bounassar, elle n'est pas cadrée, ça va sortir. Ouais. Ce but a donné de la confiance hein, aux Olympiens, et toujours ce côté droit, ce côté préférentiel. Ils sont aux abois, ils sont aux abois. La frappe, bon, elle est juste à côté, ouais. Cette belle frappe de Morgan Sanson. Ils vont râler les joueurs Salzbourg, parce que les Olympiens n'ont pas mis ce ballon en touche. Mais quelle belle frappe hein. Bien en équilibre du coup du pied de Morgan Sanson. Ils sont montés en nombre dans la surface de réparation pour ce corner au point de pénalty, avec la tête de Salzbourg qui va passer à côté de la cage de Johan Pelé. Carrément. Oh, le beau petit geste. La frappe et le premier arrêt de Johan Pelé, ouais, qui s'est bien couché sur son côté gauche. Et le montée offensive de Leiner hein, avec. Il faisait partie des plans dès le départ, on se souvient. Bien fait ça. Oh, ça écarte bien le centre. Il est trop fort. Hey, mais il est trop fort ce centre. Tout était bien fait en une touche. Construction était parfaite du côté droit olympien. Il y avait quelque chose. Attention, il y a un Jordan Amavi est resté haut. Wang. Ouais, très bon retour. Très très bon retour. Ça y est, monsieur Colum. Notre but. A mis le sifflet à la bouche. Oui. Il renvoie les deux équipes au vestiaire sur ce score de 2-1-0. Ils peuvent rentrer à tout moment. Et c'est reparti donc dans cette seconde période avec une remise en jeu, avec un coup d'envoi assez particulier, façon rugby un peu. Évident, hein, c'est vitesse réelle, attention. Ça s'est pas terminé avec peut-être un duel. Et l'arrêt miracle de Johan Pelé. Superbe arrêt ça, quel arrêt réflexe. Alors qu'il est sur les talons, Johan Pelé me semble-t-il.
Ah, c'est un choix fort, hein, Julien, que fait Rudy Garcia. Fait sortir Maxime Lopez, auteur d'une très belle, très bon match. Très précis dans ce, dans ses passes notamment. De côté. Contre l'Orient, bien joué. Là, c'est parfait. Dimitri Payet qui est lancé dans le dos de la défense, il lève la tête, il n'y a pas beaucoup de monde hein, deuxième. Comme elle vient, comme elle vient. Un bon coaching, on en parlait de Rudy Garcia avec cette reprise qui tourne. Il est au départ de l'action, hein. C'est lui qui va faire cette belle remise côté gauche et après il s'est vite repositionné dans l'axe au point de pénalty. Le contrôle parfait, l'intérieur du pied, la finition parfaite pour la Tapien, ouais, qui vient taper dans la main de Lucas Ocampos. Est sympa cette image. Regardez ce contrôle orienté pour éliminer le défenseur derrière. Le très bon ballon donné dans l'espace pour Dimitri Payet. Et quel bon ballon donné par Dimitri Payet, impeccable. Le coup de rein, juste ce qu'il faut pour éliminer le défenseur de la part de Clinton Engie. Attention peut-être avec la réaction de Salzbourg, la frappe. Et encore une fois, Pelé qui se couche bien sur son côté droit. Sur le Vélodrome cette saison, il y avait Salzbourg qui avait résisté. Attention avec Dabour. La frappe de Dabour, trop enlevé en pivot. Oui, sans contrôle. Né à Malmö, la patrie de Zlatan. Attention dans le ballon. Oh, le poteau. Le poteau, c'est pas terminé. C'est bon, Clinton Engie qui va mettre ce ballon très loin devant. Parce qu'il y a leur jeu, hein, l'attaquant de Salzbourg. Attention, attention, pas trop s'endormir là. Oh là là, cette frappe sèche. Au bout du rouleau, hein, physiquement. Il a beaucoup donné encore ce soir sur son côté. Ouais, Florian Thauvin qui était en conférence de presse hein, hier aux côtés de Rudy Garcia et qui avouait que eh bien, c'était très probablement le match le plus important de sa carrière ce soir. Il aurait souhaité, on sait, 1500, c'est à peu près la moitié. De ce vélodrome. Ils sont importants ces champs. Organiser leurs joueurs, ces champs olympiens. Là, ça vous donne des forces, je vous explique. C'est énorme. Avoir des têtes supporters. Perdre ses ballons parce qu'en plus il est effacé derrière. Luis Gustavo va se retrouver en 1 contre 1. Le centre et Johan Pelé encore une fois. Il se couche parfaitement. Attention avec cette position de frappe peut-être. Ouf, Adil Rami. Le dégagement. Ça oui. Fait peur hein, sur son geste défensif. Dabour, il n'est pas dans la surface de réparation. Il met ce ballon direct dans les gants. Sur un pelé. Dans la niche. Dans la niche. Et c'est terminé. C'est terminé Jean-Marc. Ce score quasi parfait. De 2 à 0 pour l'Olympique de Marseille. Avec le premier but de Florian Thauvin inscrit au quart d'heure. Une tête au deuxième poteau, ouais. Petite mimine. Et gros plan sur Clinton Engie, félicité par Alain Germain, il a fait une très bonne entrée. C'est lui qui a mis ce deuxième but avec à l'origine encore une passe décisive. Quand même, Ben n'a pas pris de but, ce qui est très important en vue du match retour.